أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن حمزات الشياطين وأن يهجرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ومن شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الحمنا رشدنا مراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. شفرج السير الله سبحانه وتعالى نريد أن نسير القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. رابلي قالوا رابلي يتيل القرآن سير. La semaine dernière, nous avons rappelé l'ascension céleste, Al-Isra wa Al-Mi'raj, de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'on traduit par l'ascension céleste. Mais en réalité, nous avons expliqué surtout que le messager d'Allah a été confronté à des multiples épreuves de la part des habitants de la Mecque, et particulièrement les dignitaires de la ville de la Mecque, et beaucoup de situations difficiles qu'il a traversées. Et nous avons également su que le comble de cette souffrance a été le rappel à Dieu d'un des soutiens du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était son oncle. Et la deuxième chose, c'est le rappel à Dieu de notre mère Khadija radiallahu anha, qui a été elle aussi un soutien au prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis leur mariage. Lorsque le prophète avait 25 ans, jusqu'à la révélation, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu 40 ans, et les épreuves, il y en a eu. Le prophète n'a pas fléchi, le prophète n'a pas abandonné sa mission, il est resté ferme, il est resté dans la justesse des recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puisque ces épreuves ont eu pour conséquence beaucoup de railleries de la part des habitants de la Mecque, le Seigneur des mondes va honorer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va l'honorer en l'invitant à une visite officielle auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'honneur accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a été compté par le Coran, nous a été expliqué par le Coran. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Subhanallazi asra bi abdihi laylan min masjidil aqsa min masjidil haram ila masjidil aqsa allazi barakna hawlahu » Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit pureté à Allah qui a fait voyager son esclave, il s'agit ici du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la mosquée sainte de la Mecque à la mosquée Al-Aqsa, qui a été bénie par Allah
par la présence des messagers, des envoyés qui ont précédé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le messager a donc fait prier, diriger la prière avec les envoyés, les messagers, ce qui montre encore qu'il est le leader de ceux qui l'ont précédé et le leader de ceux qui viendront après nous. Et ainsi le prophète va commencer son ascension en traversant toutes les étapes jusque dans les sept cieux et aller jusque à la mosquée sainte qui est fréquentée par 70 000 anges par jour. Et les 70 000, lorsqu'ils passent, ils ne reviennent plus. C'est encore 70 000 autres qui viennent chaque jour adorer Allah. Et c'est peut-être ça aussi qui est notre représentation de la Kaaba autour de laquelle nous tournons lorsque nous faisons le pèlerinage et qui ne s'arrête pas. L'honneur accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam a été la visite conduite, dirigée par l'archange Gabriel, où le messager d'Allah a vu les habitants du paradis. Et de quoi est fait le paradis? Le rayonnement, le bonheur qui y existe. Et il a aussi vu l'état de souffrance de ceux qui sont en enfer. Il a vu des personnalités qui ont été admises par le Seigneur des mondes au paradis et qui ont eu la promesse est faite que ces personnalités seront du nombre de ceux qui seront au paradis face à Allah, que nous soyons de ceux-là, Inch'Allah. L'élément vers lequel nous nous acheminons par rapport à ce voyage, à cette invitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le cadeau, le présent qu'Allah va faire au prophète, qu'il va lui donner. C'est bel et bien à cela. Et Allah va décrire la prière en lui donnant. Il dira: wa kim salata li zikri. Accomplis la prière pour entrer en liaison avec moi. Il dira encore deuxièmement: inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Certes, la prière est prescrite comme obligation aux mu'minins, aux musulmans, et elle doit être accomplie à des heures bien déterminées. Quatrièmement, Allah subhanahu wa ta'ala dira: inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière que je te donne va vous aider les musulmans à s'éloigner des turpitudes et des actes blâmables. Sixièmement, Allah va encore dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam: wa kim wa amru ahlaka bi salat. Ordonne à ta famille d'accomplir la prière. Et qu'est-ce qu'il dira par la suite? La prière va aider ta famille, vous aider à éviter la misère et la pauvreté. Moi, je vais pourvoir, je vais vous aider à avoir votre pitance et de quoi pouvoir vivre la prière. C'est comme un remède qui est donné. Et alors, subhanahu wa ta'ala, les indications de ce remède, quand le médecin vous prescrit un médicament, il vous dit: ce médicament, voilà les caractéristiques, voilà ce dont il est composé. Et voici la posologie de ce médicament. La prière est également cela. La prière, chers frères et sœurs, a été donc donnée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il va descendre et retourne pour enseigner la prière avec les différentes indications.
Qu'est-ce que la prière va donner aux musulmans? La prière donc a plusieurs fonctions. Une fonction spirituelle. La prière va nous aider les musulmans à entrer en contact avec le Seigneur des mondes 5 fois par jour. 5 fois par jour, un rendez-vous quotidien. Depuis 5h du matin à 19h30, 20h, nous avons l'arrêt de nos activités pour aller à la rencontre du Seigneur des mondes, lui expliquer ce dont nous souffrons, mais également implorer son pardon et demander son assistance pour les problèmes auxquels nous sommes confrontés et demander de nous accorder le paradis. La prière a une fonction sociale et sociologique. Voici de quoi nous sommes composés ici dans la mosquée. La diversité de couleurs, de langues, d'origines, de tribus. Mais nous sommes tous réunis ensemble par quoi ? Par la prière. La prière donc permet aux musulmans de se connaître, permet aux musulmans de s'assembler, permet aux musulmans de se saluer, permet aux musulmans de sentir les problèmes des uns et des autres. La prière a une fonction d'éducation à la discipline. Quand on vient à la mosquée, on ne s'arrête pas quand on veut, comme on veut. Certains sont en train de prier, là, d'autres sont en train de causer ou bien sûr. Non, il y a une discipline, une position assise, une position debout, et les rangs doivent être serrés. Les rangs doivent être droits et serrés, de façon à ce que nous soyons uniques devant le Créateur unique, Allah. C'est donc la notion de discipline qui doit être la même notion et la même pratique lorsque nous ne sommes pas dans la mosquée. Que nous soyons disciplinés, que nous soyons solidaires. Et tout ça s'enseigne indubitablement à travers la prière. La prière a une fonction de mobilisation. Depuis 11h, tous ceux qui prient ici sont en train de se mobiliser pour aller répondre à l'appel d'Allah. Iza nudiya lis-salati min yawm al-jum'ah fas'au ila dhikrillah wa dharil bay'. Quand l'appel vous est lancé le jour du vendredi, accourez vers le rappel d'Allah. Et donc il y a une mobilisation pour aller vers le bien, pour aller vers le salut. C'est pour cela que quand vous entendez l'appel à la prière, qu'est-ce que le muezzin dit? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah est plus grand, est le plus grand que votre travail. Il est plus grand que toutes les préoccupations que vous avez. Allah vous attend pour vous accorder le bonheur auquel vous aspirez. Allah vous attend pour pardonner vos péchés, pour pardonner vos erreurs. Allah vous attend, il vous appelle pour vous donner la voie d'accès au paradis, pour vous accorder le paradis. La prière est un tout pour le musulman. C'est pour cette raison que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar » La prière bien accomplie est un remède qui permet aux musulmans d'éviter le blâmable et de l'aider à faire ce qui est convenable, ce qui plaît à Allah. Ainsi, la prière aide le musulman, est un remède. Des chercheurs ont démontré que par la prière, le musulman se dégage des ondes négatives. Lorsqu'il est en station debout, il invoque Allah. En station, en génuflexion, il y a le liquide rachidique qui part du cerveau jusqu'au rein
qui se met en équilibre et c'est aussi source de santé pour les membres et pour également le cerveau. Et le musulman, lorsqu'il va en prosternation, non seulement ses péchés sont pardonnés, c'est encore là où il rentre en conversation avec le Seigneur du monde pour lui accorder la rémission de ses péchés, mais c'est aussi un remède où les énergies négatives vont dans le sol, dans le sol. Donc, lorsque le prophète nous appelle, Sallu kama ra'aytumuni usalli, accomplissez la prière comme vous m'avez vu l'accomplir. C'est la prière bien faite. La salata liman lam yaqra bi fatihat al kitab. Il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la Fatiha. Or, la Fatiha, c'est une conversation entre le musulman et Allah. Quand tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah dit, réponds, te réponds, mon serviteur m'a reconnu les bienfaits que je lui ai accordés. Ar-Rahman Ar-Rahim, mon serviteur proclame que je suis le miséricordieux par essence et par excellence. Maliki Yawmiddin, mon serviteur reconnaît, tu reconnais que je suis le roi absolu du jour du jugement dernier. Alors, je t'accorde ce que tu demandes. Il t'accorde la grandeur et après ton humilité, il t'accorde la grandeur. Il t'accorde la bienséance après ton rabaissement pour reconnaître la grandeur absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. La prière est un tout. C'est pour cette raison que je vous appelle, chers frères et sœurs, vous rappeler qu'on voit des gens en train de prier comme s'ils jouaient. Il y en a qui, à peine, même s'ils ne mettent pas le téléphone à côté pour pouvoir écouter. C'est une épreuve de notre temps. Vous voyez des gens qui prient comme s'il n'y avait que de la gymnastique, sans méditation. Or, la prière est un moment de recueillement. C'est un moment où on doit faire le vide en soi et autour de soi pour ne sentir que les relations qu'on est en train d'établir avec le Seigneur du monde. Donc, chers frères et sœurs, le prophète a schématisé ceci en nous disant, imaginez quelqu'un qui a une piscine chez lui, il se lave 5 fois par jour. Est-ce qu'il peut encore rester des souillures sous son corps 5 fois par jour? Qu'il en ait de même pour la prière. Celui, ce matin, qui a fait ses ablutions, qui a fait sa grande ablution, qui est venu à la prière, Allah lui donne la récompense d'avoir fait le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah. Et qui est venu encore très tôt à la mosquée, c'est comme s'il a immolé une bête pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour la face d'Allah. La prière, il faut la faire bien. Quand vous accomplissez bien la prière vous bénit. La prière est une lumière. La vie d'ici va s'arrêter. Nous allons partir de ce monde. La première interrogation, l'examen des passages pour aller au paradis, passe par la prière. Si on ne voit pas dans votre passeport que vous avez, vous priez, le reste de vos œuvres ne sont plus regardées, ne sont plus observées, ne sont plus regardées. La prière iman din. Faman aqama faqad aqama din. La prière est le pilier dorsal, l'épine dorsale de la religion. Celui qui l'accomplit a accompli la religion. Celui qui la délaisse, la prière maudit cette personne. Donc, une prière de coq. Allahu akbar.
La prière dit, tu m'as expédié et tu t'es débarrassé de moi, qu'Allah se débarrasse de toi aujourd'hui, je m'en vais. Face à Allah, que nous ne soyons pas de cela. La prière est une lumière. Lorsque vous êtes dans la tombe et que les anges s'apprêtent à venir vous rendre visite, la lumière qui est dans votre tombe, qui est devenue une villa, ce sont ceux-là qui accomplissaient leur prière avec exactitude. La prière lumière et il y a la prière du matin qui est assis à votre chevet pour vous entretenir. Et lorsque l'heure de la prière de 13h arrive, cet homme-là s'en va, il y a encore la prière de 13h qui vient s'asseoir à côté de vous. Et ce sont ceux-là qui vont intercéder pour dire aux anges qui viennent interroger que c'est notre ami. Et si vous êtes en train, vous êtes de ceux qui lisent continuellement le Coran sera comme une personne, un avocat qui est assis pour attendre l'interrogation des anges. Et quand ils viennent et disent à la personne, ben nous allons commencer à interroger notre invité, celui qui est venu. Ah, le Coran reste, il dit non, je ne peux pas partir. Et il s'interroge et dit, moi je suis la parole d'Allah. Et la parole d'Allah ne quitte pas celui qui l'a pratiqué, celui qui l'a accompli. Et ainsi, les interrogations deviennent faciles et rapides pour que vous allez. Une porte est ouverte entre vous et votre paradis. Vous êtes en paix jusque pour vous demander, vous voulez dormir jusqu'au jour du jugement dernier? Ou bien vous voulez rester, jouir d'autres choses qu'on vous apporte? Vous avez le choix. Chers frères et sœurs, quel bonheur! Quelle miséricorde pour les musulmans! Qu'Allah nous aide à accomplir la prière comme il se doit. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin. Qu'il nous guide dans le chemin de ce que la communauté de CMA fait. الحمد لله رب العالمين